À la bergerie nationale de Rambouillet, on n'élève pas que des moutons, mais aussi des vaches laitières. Le troupeau est composé en grande majorité de Primolstein. Il s'agit de la race laitière la plus productive au monde. Mais à la bergerie, on ne vise pas la productivité à tout prix. On veille, au contraire, à ce que l'élevage s'intègre dans un système d'exploitation cohérent, respectant les principes de l'agroécologie. La production de lait par vache a donc baissé ces dernières années, mais l'autonomie de l'exploitation s'est améliorée, ainsi que la rentabilité du troupeau. L'objectif n'est plus de produire le plus possible, mais le mieux possible. Dans cette optique, le pâturage est maximisé. La bergerie a d'ailleurs un rôle expérimental en lien avec la profession agricole. Elle procède à des essais de différents mélanges de semences pour constituer les prairies les plus adaptées, soit au pâturage, soit à la fauche. La présence de légumineuses parmi les graminées permet également d'éviter l'apport d'engrais azotés sur les terres, grâce à la complémentarité entre les espèces. Dès les beaux jours, les vaches sont donc sorties au pré et rentrent à la ferme matin et soir pour la traite. Le pâturage du troupeau présente de nombreux avantages. Non seulement il favorise le bien-être de l'animal, mais il permet aussi de valoriser l'herbe sans avoir à la récolter, et donc de minimiser les coûts de production. L'hiver, les animaux sont rentrés et nourris en bâtiment, appelé stabulation. Le vacher prépare leur ration de base quotidienne composée de foin, céréales, paille et surtout d'ensilage d'herbe, c'est-à-dire de l'herbe en conserve. Chaque vache reçoit ainsi environ 50 kg de nourriture par jour, mélangée dans la remorque distributrice. Des compléments alimentaires sont apportés individuellement à chaque vache en fonction de son potentiel et de son stade de lactation, car la production de lait n'est pas linéaire tout au long de l'année. Pour le bien-être de son troupeau, le vacher veille aussi tout particulièrement à la qualité de la litière. Une aire de repos bien paillée, une aire d'exercice adaptée, des brosses pour se gratter, des pierres à sel à lécher, et même le pédicure. Le bonheur est aussi dans l'étable. Pour avoir du lait, les vaches laitières doivent avoir un veau. En effet, c'est le vêlage qui déclenche la lactation. Mais l'élevage de la bergerie ne comporte pas de taureaux. Pour féconder les vaches, on utilise la technique de l'insémination. Les techniques d'insémination ont été mises au point sur le site même de la bergerie nationale, au moment de la Seconde Guerre mondiale. L'école d'insémination forme encore actuellement les inséminateurs de demain. Et qu'est-ce qu'elle aurait d'autre à améliorer, cette vache ? L'insémination permet à l'éleveur d'avoir un choix important de taureaux améliorateurs. En fonction des caractéristiques de chaque vache, la semence du taureau le plus adapté sera choisie. Cela permettra d'améliorer le potentiel génétique du troupeau en fonction des objectifs recherchés par l'éleveur. Pour leur conservation et leur transport, les semences sont congelées dans l'azote liquide. L'inséminateur choisit la paillette adéquate et insémine la vache. Être inséminateur, c'est également aider l'éleveur à choisir les accouplements les plus adaptés et vérifier le succès de l'insémination grâce à l'échographie. Ici, la tête du veau. Ici, son corps, une patte avant, l'autre patte avant ici. 9 mois de gestation plus tard, c'est le vêlage. Le veau est très vite séparé de sa mère. Mais le premier lait, le colostrum, est rapidement donné au veau pour le rendre plus résistant. La vache va maintenant produire son lait idéalement pendant 10 mois, son pic de lactation étant quelques semaines après le vêlage. Sa production baisse ensuite progressivement jusqu'à la période de tarissement, 2 mois avant le vêlage suivant. Aujourd'hui, une vache de notre ferme produit en moyenne par an 7000 litres de lait certifié biologique. Les circuits courts sont privilégiés. L'ensemble de cette production est transformé et valorisé sur place par 2 entreprises partenaires ayant leur propre circuit de distribution.
L'une commercialise des fromages auprès de grands restaurants et magasins parisiens. L'autre fournit les cantines scolaires franciliennes en yaourt et desserts lactés. La restauration collective du centre de formation de la Bergerie nationale n'est pas oubliée. Les élèves bénéficient du lait de la ferme tous les matins dans le bol de leur petit déjeuner. La valorisation de notre lait bio passera par le développement des produits transformés et de la vente en circuit court.